Mesdames et messieurs, bonjour nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste sur Congo Live TV, où je commence d'abord à vous souhaiter le meilleur et une bonne année 2024. 2023 est aussi la langue déjà, car la mingité dans 2-3 jours, tout aussi l'issa année où il y a 2023, et puis 2024, tout bandit déjà. Alors, tout ce bandit là, l'analyse n'a biso tout ça, chaque jour. Sur Congo Live TV et pour aujourd'hui les analyses et que ça là au belé na ba différents sujets ya ba situation au zo le kanaka tia mboka et voyons biso to bengi bino kolanda biso to bengi bino et to souhaiter bino bienvenue na participation nango to bandana nous na sécurité à l'est de la République au ezaki ya lobby wana lobby et intensification ya bitumba au ezaki à l'est de la République. Vraiment c'était grave où on a observé les FARDC, les FARDC, vraiment, ils ont fait monter des soukoi, ça là qui boye, donc, qui était vraiment à encourager la population, une demande qui a été faite par la population congolaise, depuis que la population a entité, on a déjà, ben, gouvernement a observé que c'est le fait. Mais c'est là que le gouvernement est tellement. C'est là que le gouvernement est là. Et là, la population est là. Ah, vraiment. Malgré tout ce fanda, malgré tout ce respecté, ceux qui ont assisté à la méthode, c'est le fait. Mais il faut babeta. Yangwana gouvernement est tellement qui lobby et puis lobby il faut ebeta et tellement qui lobby ebeta qui je vous dis vrai beta qui munguna biso toza awa na goma toyoka ki masurango ndenge leka ki ba source na biso oyefanda kuna ezo fanda sur place et puis ça qui masolo ndenge leka ki même de celui qui était à goma a observé de suko ibone bande ko tambula ko kende bitumba kuna boni ba va et via ba soda ibande ko salema bazo kende parce que na place wana bazo beta na dans les masisi nécessairement pour qu'il y ait des coups, il faut que l'on ait un goma.
nzela eza moko awa oleki na Goma okomi sake sake ozwi nzela mushaki mushaki ndo continue na Masisi kuna dans les grands Masisi to na Masisi na kati ya Masisi dans les Masisi centre on peut dire yo lobby wana toyokaki bitumba ndenge ezalaki lobby babetanaki lobby FRDC betaki M23 comme pas possible sko mutuna eza sko FRDC elembi abasese le fait FRDC zo lingali sous soutien ba négociation ngo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi alobaki ke non on ne va plus on va plus collaborer on va plus ofanda place moko na banguna pour des négociations on va plus négocier avec les rebelles une seule option qui nous reste est de faire la guerre yango wana quelques jours avant la proclamation des élections yango tomoni mokonzi a telemisi manzaka nae yango mokonzi a telemisi mutu nae alobi ke il faut abeta yango wana lobi wana beta naki yango wana lobi far de ces sala ki musala moko se population zo se pra kitoko population zo loba vraiment malamu mingi en plus pour ce matinée à lelo vendredi 29 décembre 2023 la population est vraiment motivée. La population soutient le gouvernement congolais en disant que si le gouvernement congolais continuait vraiment toujours comme ça, comme Eloko et Salaki Lobby, va croire que même dans quelques jours, Munguna Kozalasi a libéré déjà le territoire national Oyo à Zofandela. A libéré sol congolais, ba Masisi, ba Rutshuru, place Wana Bazo, Bazofanda. Vraiment, la population s'appelle qui Makasi. Population Lobby, nous sommes derrière les FRDC Oyo Bazo Betao. Raison pour laquelle vous allez observer, les Wazalendu étaient même présents. Nabitumba Lobiwana. Les Wazalendu étaient présents à cette guerre qui s'est déroulée cette hier-là. Donc pendant que les FRDC montaient avec le Sukoi, les Wazalendu étaient au sol. Bazo Sala Mazakambo. Bazaki partait. Bazo Beta Munguna. Bazaki partait. Bazo Simba Biloko Balobi que non Munguna il faut attendre. Et puis si vous voyez, biso toujours comme moi temps. Toujours comme opportunité de voir les Wazalendu, vous les demandez, mon cher, qu'est-ce qui vous motive, Yakoubé Tenaboy? Qu'est-ce qui vous motive de mourir pour la patrie? Qu'est-ce qui vous motive de résister à la guerre comme ça? Bango Balobi, tous les Congolais. Et puis, Tokoku Fapon Ekolo, nous allons mourir pour notre patrie. Nous allons jamais accepter que les rebelles Azwa Ata Mbokanabiso. Nous allons jamais accepter que les rebelles règnent sur notre sol congolais. Nous allons jamais accepter que des mauvaises choses arrivent aux Congolais. Yango Baza motivé, je vous dis vrai, les Wazalendu sont motivés, c'est pas comment, hein? Ils sont motivés à faire la guerre contre le M23. Ils sont motivés à chasser les rebelles. Ils sont déterminés, loin d'être motivés, ils sont déterminés. Tout le monde a bango, tout le monde a dit, mon tout nini. Mais vous êtes motivé, vous êtes nini. Balobi muturangai biso tukukufa po na ekolo. Yango wana bandeko bofanda kana diaspora bozo landa Congo Live TV bango bandimi ke bakukufa po na ekolo. Bazalendo ango bazawana. Donc au-delà de la population soutenir les M23 qui les FRDC qui non, il faut pas soutenir FRDC po na kobeta M23, les Wazalendo se met en marge, se met en position et ils sont déterminés. Ils sont concentrés à faire cette guerre en fait que Bitumbango est aussi là. Donc, voyons un peu ce qui est en train de se passer à l'est de la République. Voyons un peu la situation qui s'est déroulée ce 28 décembre 2023, qui était jeudi hier. Le Biwanandeng, tu es bien sûr que non. La situation, on se réveille déjà la situation. Zaki Nangwa, Tozoyo Kakeno, Bazo Kende, Tozoyo Kakeno, Babandiko Beta. Et en gros, tu es bien sûr que non, que tu copies ça bien ensuite. Il y a Bitumbango et les Kaki. Vous avez dit que non, nous allons vous donner des suites. Il y a Bitumba, Ndenge Zalaki. Yango suite wana Bitumba wana Zalaki lobi. Yango suite ya Eloko Oyo Zalaki lobi. Yango suite ya guerre Oyo Nani Zalaki lobi. Nani RDC au travers de son armée. Indéfectible. De son armée Oyo Zalaka kaka chaque jour forte. De son armée qui ne faillira jamais. De son armée qui a toujours été forte. Oyo Zalaki. Force, il y a RDC. Tout en allant moins locaux, et que ça a bien moins bien, les Masisi, dans les Masisi au nord Kivu, des combats violents signalés depuis l'après-midi de ce jeudi 27 décembre sur l'axe Kafe. Voilà, tout le monde a déjà été en niveau à Karuba, au nord Kivu.
de la au nord, ah non pas au nord Kivu, au nord de la cité ya Saki. Donc ce que la cité à Saki, Saki na Goma est à 27 km. Je précise bien. La ville de Goma ici là où je suis à Paris instant et cité à Saki nous avons 27 km. Mokolo kozana une opportunité à Koko Makoto, moi je vais te faire arriver là-bas dans Komisho wana 27 km au Betango au Komi na 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 cité à Saki. Bah tout bas si bah Koma déjà on a bah ebi place wana qui est dans la cité à Saki. Sikoyo non loin la cité à Saki, ça au nord ya cité à Saki, wana tuzo lobela déjà na axe café wana za Karuba. Des sources locales affirment que des combats opposent les M23 à l'armée congolaise qui aurait même engagé des avions de chasse Sukhoi 25 contre les rebelles du M23. En dépit des appels de cesser les faits, mercredi, des troupes soudanais, ya Sadek et comme Yangope Goma. Donc, Masolo Ezake, depuis l'Obiwana, hier jeudi, Bitumba et Bandaki Nabatongo. La guerre a commencé le matin. Et maintenant, les après-midi, dans l'après-midi de cette hier-là, intensification, moi, à Bitumba, ou Zala Kiwana, civil et Angoba civil. Oh, tu écoutes parce que hier on était arrivé à Saki, tu comme qui te bêta qui moi tourne à Saki, tu comme pour acquérir situation Angoba bonne zone le cas. Si nani population wana ya sac, ndezo et puis ça puis que non. Apparemment tu comprends si ko yo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi que alinga concrétiser liloba na yo, ne liloba na yo plutôt o ya lobaki sur Top Congo FM que non, mutu oyo Banguna wana oyo ba koze ko sala quelque chose ya mabe sur Congo. Ce qui moindre escarmouche ya mwego tele mapo e sala boye 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 boye. Ya komoni sae, ce qui ye azape mobali. Ya komoni sae, de quoi Félix Antoine Tshisekedi est capable. Yango wana bazolo ba, lobi wana na sake, place to zavaki. De sources sécurité à la place kuna bitume bandeau salema non loin ya cité à sake. Nde babande ko to bande ko benga bango ba bisi biso ba information nge zo leka ke no bitumba wa FRDC mené vraiment FRDC beti munguna au delà FRDC ko beta munguna ba wazalendo yango le wazalendo était en train de tendre des embuscades de pièges na ba M23 bazo kufa te me bazo yokate wana mutu na population zo lo ba pona nini bazo dae me bazo yokate pona nini bazo kufa me bazo yokate les cambo ngonde ndenge nde angwana bazo dae mais bazo ndima ko kende na bangote. Donc voyez un peu la situation, il va beta na kilobi lobi munguna beta maki na ebisio comme pas possible force à faire de ces lobi et sala ki musala na yango ba kota ki bitumba moko ba beta ki dans liloba ya mokonzi yango Félix Antoine Tshisekedi. Et bien nous avons concrétisé, oh, il y a le bête à Munguna. Il y a plus de négociations avec les rebelles, à bête à Munguna. Il y a un grand monde qui est bête à bête à Munguna. Les Cambodgiens, ils ont continué, ce qui est ok dans les Routchourou. Parce que les Akamassi, c'était des Akas agressés. Par côté là, qui Routchourou, il faut voir Bango. Par côté là, qui Routchourou, Bendin Zela, Parc, Titi, Massisi. Donc elle que permettra que bango ba côté zana ba côté là qui n'est la territoire à Rutshuru. Après ba bendi na parc parce que kozanze là o ebimi Rutshuru na Masisi ezala kana parc ya Virunga. Nde ba kati nzela ti Masisi. Mais ba bandela ki na bango na Rutshuru. Parce que o situation zana Rutshuru lobi ndenge nini. Le collectif de victimes de l'agression rwandaise CVAR a alerté depuis le mercredi décembre, le 27 décembre sur le massacre de 5 civils tués par les rebelles du M23 dans le groupement Bukombo, territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Dans une déclaration rendue publique, cette ONG a indiqué que ces victimes, dont une femme, ont été tuées au village Kazuba. Cette ONG a condamné ce nouveau massacre sur les paisibles citoyens congolais. Voici alors les déclarations. Oh, on joue en Salaki, si massacre en Salamaki, place wana ba RDF M23, bazo bouma batu. Yoka déclaration on joue en Esco. Ce 26 décembre 2023, les M23 RDF,
2023, les M23 RDF viennent de tuer 5 civils paisibles et citoyens congolais dans le village Kizuba, Kazuba plutôt. Les CVAR Ondjiango condamnent encore cette violente délibérée du M23 RDF d'en finir avec la population civile autochtone et fustige le silence complice de la communauté internationale, a déploré le communicateur de cette structure, Patient Kamayoum. Onjewana et lobby nango keno, likambo eleki. Likambo eleki. Fallait pas que likambo ezala ndenge wana. Fallait pas que likambo ango e continue ndenge wana. Fallait pas que masolo e continue ndenge wana. Donc, bazo déplorer situation wana ki ba civil parce que le perdant, je vous l'ai dit encore la fois parce que le perdant dans cette affaire, le perdant dans cette guerre, c'est vraiment la population. Parce que bango nde bazo koufa. Bango nde bazo perdre ba famille. Bango nde sengela ki ba me déplacer pour ba kende ko festoyer na ba famille na bango, ba kende sala ba fête na ba famille na bango, mais simba kité. Et simba kité parce que banzele zo akokanga. Et simba kité parce que bazo banga ko koufa. Et simba kité parce que il y a pas de trafic routier. Il y en a pas, c'est bloqué. Surtout dans les massifs, c'est bloqué. Moi encore dans les routures. Où ils sont en train de faire appel à l'État congolais. Bien que tu observes l'obiwana État congolais, Salimakambo. Bien que tu observes l'obiwana État congolais, Petit Munguna. Mais les gens de Rutshuru également appellent le gouvernement congolais à faire quelque chose pour les libérer de cet esclavagisme. Parce que tu connais le esclavagisme. Bazo vivre dans l'ordre à Munguna, bazo lala dans l'ordre à Munguna, bazo tambo dans l'ordre à Munguna, et puis ça ne fait pas bien. Un citoyen congolais ne devrait pas vivre sous l'ordre de quelqu'un. Et c'est là qu'il a vivre dans l'ordre à l'État congolais. Mais l'ordre, on a besoin de la bango kuna et zo embrié bango déjà. Il y a besoin de l'appel, il y a la mokonzi amboka qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatine de la Bengamaka, qui nous a sunga bango, a libéré bango, na parti wana, ya Rutshuru. Pour ba mona boni bako sala boni bako continuer ko vivre boni bako kende bilanga boni bako continuer ba activité na bango pour bako continuer ba activité na bango bien te tant que mungu na zawana également to moni volonté de faire ya Félix Antoine Tshisekedi Diango et pe azo mitia vraiment azo bunda azo sala boye na boye na boye. Il est en train de faire chaque jour que masolo et simbango ezala très bien, raison pour laquelle Azo betana, donc on dirait dans le sens Azo sala qui azala reli. Pas Azo sala seulement qui azala reli, mais Makambango monsieur qui n'a pas voté qui est. Makambo monsieur qui a dit que Félix Antoine Tshisekedi a été voté. Et Ango analyse solo. Ce qui est Tigali Karanana ni na Rutshuru. Place en haut, population paisible, citoyen, bazo benga Félix Antoine Tshisekedi, délibéré à Batouana, bas en abango na Kimia, qu'ils vivent la paix. Ils appellent Félix Antoine Tshisekedi à faire la guerre contre les Munguna. Population à Rutshuru, bengi Félix Antoine Tshisekedi à faire la guerre contre les M23. Parce que c'est la guerre où il faut libérer bango la situation. Wana. C'est la guerre qui le fera que non. Ba vivre na bango kimia na bango a kimisa munguna et puis heureusement mon cousin mboka ngo Félix Antoine Tshisekedi a la volonté de faire les choses donc biloko ngo et continuer d'aller bon to lobela au mouvement et bandaki depuis quelques jours qui a été annoncé je vous rappelle bien à Nairobi o ya corner nanga masolo ngo bandaki lobby holandais a lancé communiqué na ya liboso au travers ba media ba nini lobby wana c'était dans les routes ou communiquer en mode bimelaki. Depuis Rutshuru au nord Kivu, l'ancien président de la CENI qui est Corné Nanga signe le tout premier communiqué de son mouvement politico-militaire AFC comprenant les M23. Wanezalaki Mokonzi Nakati Ambokawa. Corné Nanga était parmi les hauts cadres de la nation congolaise. Azalaki na Mokonzi. Azalaki Mutuoyo a pesamaki confiance. Il était parmi les gens à qui le Congolais faisait confiance.
Mais quelques jours après, Toyoki Masolo Keno, Corneille Nanga va s'allier na Banguna. Au juste, c'est quoi le problème? Yango wana mutuna ba Congolais bazo poser. Corneille Nanga, c'est une question d'ailleurs que le paysible Congolais sont en train de se poser. Qu'est-ce que Corneille Nanga a vu? Il a besoin de quoi pour aller se rallier à ces rebelles-là? Pour aller faire des barbaries comme ça? C'est lui. Il est parmi les gens qui devraient construire la nation congolaise. Il est parmi les gens. D'abord, il est parmi les gens qui ont appuyé la démocratie. Parce qu'il était le président de la CENI. Et c'est lui qui devrait, par ailleurs, venir soutenir la personne qui est en train de lutter contre l'insécurité. Mais la même personne là, c'est la même personne qui a accueilli ce qu'on appartient à Munguna. Et puis c'est Lobby, cette hier-là, qui a lancé le premier communiqué. C'était à Rutshuru. Il y a un mouvement Néwana AFC. Et puis, les Congolais vont les regretter. Les Congolais sont en train de regretter. Voyez-vous, lorsqu'on offre la confiance à un Congolais, ba pesier poste pour a diriger Batu azala boyna boyna boy lobiwana ayoki masolo ki yende azo soutenir Banguna, ça ne fait pas bien. Bien au-delà que peut-être bako ça l'est le côté, bien au-delà peut-être que bako kanga été, bien au-delà que il y a rien qui peut lui arriver, mais ça c'est trahir déjà la nation congolaise comme est en train de le déclarer les Congolais aux bazo fanda na mboka. Quelqu'un m'a demandé à ça, que la dernière fois que j'étais à ça, qui m'a demandé que est-ce que Corneille Nanga connaît la situation que nous sommes en train de vivre ici au Nord Kivu? Est-ce que Corneille Nanga a déjà vu le personne Oyobazo Koufa na Katia Bitumbawana? Est-ce que Corneille Nanga, lorsqu'il a agi de la sorte, lorsqu'il a pensé s'orienter dans Ndengiwana, est-ce qu'il a Banzaki? Est-ce qu'il a pensé? Est-ce qu'il a réfléchi? Et puis les Congolais disent que ça c'est trahir la nation congolaise. Je vous rappelle que vous êtes un Congolais. Ouais. Vous êtes un Congolais. Oye Sengela quitte Salama Kambouana. Parce que Ofanda. Ouais. Yangwana ba Congolais bazoloba. C'était à Goma hier. Il y a des discussions qui se menaient sur ça. Ils disent que quoi qu'il arrive à Corneille Nanga, Afanda la poto, Afanda aux États-Unis, Afanda en exil, Afanda wapi, il est un Congolais. Le Congo, c'est son pays. Si on disait nationalité, na ezanini, ata va ate sa nationalité, ata a changé. Eza aza congolais. C'est quelqu'un à qui on a fait confiance. Et puis il est là maintenant. Où est cette confiance que le Congolais va payer qui? Et puis il est là. Qu'est-ce qu'il vient de remettre au Congolais comme récompense à confiance on va payer qui? L'obiwana message na ya libosse bimaki. Le biwana me communiqué na ya libosu bimaki qui manifeste que vraiment ye azana azo appuyé Banguna. Atier alignement na ye zai pa ya Banguna. Et puis ça, ça fait tellement mal au cœur de paisibles citoyens congolais. Nenge bazo et puis bango que non, vraiment nous sommes décis de ce qu'a fait notre frère Corneille Nanga. Nous sommes vraiment désolés. Ce que les gens sont en train de se lamenter un peu partout. Voyez-vous? Que toute la nation, les Congolais en général, se lamentent au nom de quelqu'un. Ça, c'est déjà un problème sérieux. Vraiment, c'est un problème sérieux. Talango li kamboezo le kanaruchuru, talango li kamboezo le kanamasisi. Voyez un peu la situation qui se déroule un peu à l'est de la République, où il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont en train d'être mis au cachot par les M23, parce qu'on nous a signalé nos sources qui sont sur place. Ndenge bolonda kabiso sur Congo Live TV, Toebisa Rabinoki. Awa toko banda ko yobisa bino situation oyozo leka koto oyo na esta république na kati ya mboka na biso. Les gens qui vivent là-bas nous signalent que non, si les RDF M23 détectent que tu es en train de faire seulement une petite collaboration avec le Wazalen, bazuyo batio na kacho. Bazuyo batio na kacho. Yango li solozo leka na kati ya mboka. Mais vraiment, nous disons un grand merci aux forces des FARDC, aux Babetana Kilobiwana. Vraiment, courage. Namokonzi Amboka qui sera vraiment élu comme président de la République. Il y a un grand challenge qui vous attend de l'autre côté. Félicitations à Félix Antoine Tshisekedi. On a vu les rapports de la CENCO et ces tiers-là qui ont été mis à blanche ou mis en ouvert. Vraiment, merci beaucoup. Si désormais Tshisekedi serait élu comme président, challenge les à côté aux Ozelayo.
Merci beaucoup, c'est ça la situation qui s'est déroulée cette hier-là, la situation de Kanakati Amboka. Encore une fois de plus, merci beaucoup. Je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste à Congo Live TV. Oyo na banda ki émission na bino, na souhaité bino kasi joyeux fête ya fin d'année. Merci beaucoup. Et puis pour plus de contacts, na tikalika kana 09 93 46 71 93. 09 93 46 71 93. Pour plus d'informations, tokozwana après et puis te souhaiter bino bonne journée. Merci et à la prochaine.